Un cassoulet, c'est une chose qui est complète. Il faut exactement tous ces ingrédients pour faire un bon cassoulet, c'est-à-dire les haricots, le jarret de porc, la saucisse de castagnari, le confit de canard, la couenne du porc qui a servi à faire la saucisse, son lard qui est rancis à peu près un mois, l'oignon, l'ail, bien sûr, le gros sel et les naturels. Et vous ajoutez du poivre. Il faut ajouter du poivre. Le cassoulet est une cuisine régionale. Une cuisine qui se mange assez bien assaisonnée, relevée. Vous commencez par faire tremper vos haricots. Alors vous le faites tremper juste 4 heures, bien lavé bien sûr, et vous le mettez à cuire avec un os de jambon, que voici, et des morceaux de lard. Quand vous avez cuit vos haricots, alors vous avez mis l'os de jambon, le lard, vous mettez un oignon, de l'ail juste écrasé, du sel, du poivre et un brin de thym, c'est-à-dire quelques brindilles de thym, juste pour donner un parfum spécial, bien du pays, du midi, comme on doit manger la cuisine régionale dans notre coin. Vous mettez la moitié de la terrine, d'haricots. Si c'est une terrine de 4, vous faites 4 morceaux avec cette couenne-là. Ensuite, vous mettez votre saucisse qui a été cuite au four ou à la poêle, mais très, très doucement et cuite. Vous ajoutez un morceau de jarret, voyez-vous. Vous allez mettre 4 morceaux de jarret. Vous allez prendre votre cuisse de canard ou d'oie. 2 cuisses pour faire un cassoulet pour 4 personnes. Recouvrez d'haricots. Sans oublier de mettre le jus de la saucisse. Et dans ce jus de la plaque où on va cuire la saucisse, vous ajoutez cette pommade faite avec cela. Faites une pommade avec de l'ail. Dans le jus de la saucisse, vous déglacez et vous mettez ça dans le haricot, sur la saucisse, sur le confit, sur les couennes et le jarret. Vous mettez ceci à laquelle vous avez ajouté un peu du poivre du moulin. Dans le midi, nous mangeons assez relevé. Il faut qu'il y ait quand même assez de poivre. Il faut le faire cuire 3 fois, alors 3 heures. On remouille avec du bouillon qui vous cuit des os de jambon avec un oignon, voyez-vous. On remouille et on le repasse dans le four pour obtenir ceci au bout de 5 heures. Vous le recassez, vous voyez, je vais le repasser maintenant. Donc je vais recasser la croûte ici, le remouiller, le décoller, le remouiller, réaplatir et je vais le passer au four. Les bulles commencent à être blanches, voyez-vous, ça fait exactement comme un volcan, un petit volcan. Il va rester dans le four encore une heure. Quand on va le sortir du four tout à l'heure, si le cassoulet est un peu sec, on va remouiller avec ce jus. Et la dernière opération, c'est de mettre, avant de le servir, de parsemer dessus du poivre du moulin, bien sûr, comme ça, là, vous voyez, pour faire ressortir le poivre qui, lui, a cuit pendant 7 heures et qui commence à avoir perdu son parfum. Chacun a sa recette personnelle. Il y en a 3, et c'est Carcassonne, Castagnari et Toulouse. Mais la naissance du cassoulet vient de Castagnari. C'était en 1630.